Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va dans la continuité des exercices qu'on a fait depuis quelques temps qui sont sur le renforcement des pieds. Vous avez déjà le petit tuto qui existe où je vous explique justement les différents exercices qu'on peut faire debout pour améliorer son coup de pied, sa cheville et la force que l'on peut gagner pour les équilibres, pour la barre, pour toute la suite. Et vous avez également une barre où j'ai axé vraiment les exercices justement sur la mise en application de ce renforcement. Alors une barre au sol, c'est important parce qu'en fait votre poids du corps est différent. Le centre de gravité n'est pas que sur vos jambes, il va être réparti ailleurs et donc vous allez pouvoir mieux travailler votre en dehors, votre pied, être plus attentif à ce que vous faites avec votre corps. D'accord ? C'est un complément, on va dire, à la barre classique et au milieu classique qui va venir vous aider à améliorer votre technique ou à renforcer des parties du corps qui voilà, vous semblent un peu faibles, on va dire. Comme d'habitude, on le fera une fois sans musique, une fois en musique. On enchaînera les petits exercices et n'hésitez pas, c'est l'avantage de la vidéo, à venir stopper la vidéo, le refaire si vous n'avez pas bien compris. Le plus important, c'est que vous vous sentez bien après tout ça. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher des petits pouces bleus parce que plus vous lâchez des petits pouces, plus je fais des pirouettes et plus je suis contente. Donc, un grand merci à tous et on y va pour ce premier exercice. Donc on va commencer le premier exercice en se mettant ici, alors le bassin un peu rentré en introversion comme ça, pour pas vous faire mal. On met les pointes de pied ici. Alors vous pouvez soit, si vraiment c'est trop difficile au niveau abdominaux, parce qu'on va faire les abdominaux en même temps, quitte à tout faire, autant tout faire en même temps, hein. Soit vous pouvez poser les mains ici, d'accord, un peu en arrière comme ça, sur l'avant des mains, soit plus difficile, ici en première, d'accord? Donc on va dire que je suis en première ici, et ça fait demi-pointe, je pose, demi-pointe, je repousse. Pointe, pose, demi-pointe, je repousse. Les deux, ici, on fait ça 4 fois, ici, et 4, on ouvre les bras à la seconde. On revient ici, et ça fait ici, un flex, pointe, ferme, ici, flex, pointe, ferme, les deux, les deux. Et on fera ça 3 fois d'affilée, le même exercice. Alors décortiquez bien, j'ai bugué, le pied ici et repoussez, voyez, sous le coup de pied, comme si quelqu'un venait vous pousser. Vraiment, on va travailler l'avant des orteils. C'est la partie la plus difficile, entre guillemets, à muscler et qui souvent est relâchée dans les différents chaussons. Vous avez l'avant du pied qui rebique un peu. Et là, on vient travailler vraiment ici, l'avant de ce pied, pour repousser par en dessous et vous devez presque sentir des petites crampes pour vraiment venir forcer sur vos orteils, surtout qu'on est un peu en appui dessus, donc vous ne devez pas être écrasé, d'accord? Ici on garde bien son appui, ses abdominaux et ses pieds bien tendus. Et deux. Allez, je pousse sous mes orteils. 4 fois. 1, 2, 3, 4 et... Allez, courage. Et on refait le tout. Et demi-pointe. Allez, je pousse dans mes orteils à chaque fois. Et 1, 2. Allez, vous devez sentir vos chevilles qui travaillent également. Dernière fois. Et un, deux, trois. Voilà, pour le prochain exercice, donc on vient jambes parallèles, toujours bien droit au niveau du dos, hein, on repousse bien le sol, on tend bien ses jambes, alors sans crisper ses genoux, c'est comme à la barre, prenez pas toute la force ici, sinon vous allez prendre des cuisses. Pensez plutôt à allonger vos jambes, vraiment très longues vers ici. Et on peut mettre les mains des deux côtés des fesses, ici. Et ça fait demi-pointe et flex, je viens faire un... Et là je vais repousser par mon talon sur le tapis, j'ouvre première, ici, je ferme, demi-pointe. flex, je l'ai ici, j'ouvre, première, demi-pointe, on fait ça deux fois, et flex, je reviens, j'ouvre première, ici, pointé, hop, là je viens, repousse, et là les abdominaux se contractent aussi pour venir ramener la jambe, je repousse par mon talon, sans lâcher l'autre jambe, j'ouvre première, et ici, on fera avec les deux jambes ensuite, ici, tac, j'ouvre, et pointe. On fait ça deux fois. Ensuite, on vient mettre les bras première. Et je descends, allongée sur le sol. Ici, je déroule ma colonne. Je viens jusqu'aux couronnes. Je reviens et je remonte. On fait ça aussi deux fois pour travailler un peu les abdominaux. Mais mes jambes restent bien tendues. Et vous voyez mes pieds, vraiment, c'est comme si j'avais la sensation, j'essaye d'ailleurs, de toucher le sol avec le bout de mes orteils, d'accord? Vous ne devez pas rebiquer un peu comme ça, d'accord? Ça doit un peu, comme si vous vouliez faire une courbe qui va jusqu'ici. Et c'est à force de le faire et de le faire qu'on gagne en aptitude et surtout en plus de force dans votre coup de pied. Allez, je repousse bien. Deuxième fois. J'ouvre bien par la hanche. Et les deux. Et allez, contracte les abdos. Très bien, on attend la suite de la musique. On viendra première. Allez, je descends. Tout doucement. Je reviens. Allez, je ne lâche pas mes orteils. Les jambes sont bien tendues. Allez, courage, dernier. Voilà, le prochain exercice, on va faire une sorte de package complet. On va mettre les pieds, les hanches, les abdos. Voilà, on va tout faire travailler en même temps. C'est pratique, voilà. On se met ici en parallèle et on fera en dehors, fermé. Vous pouvez mettre les bras première si vous voulez. Et je reste en dehors. Ensuite, on va descendre un petit peu. Alors, vous affalez pas hein, comme ça, comme si vous étiez à la plage. Je ne veux pas qu'on dise comme ça à la plage, mais tout affalé ici. Non, là, c'est la gaine abdominale qui va descendre un tout petit peu dans un angle pour tenir. Et ça va faire retirer, attitude, flex, j'allonge, je ferme. Retirer, attitude, j'allonge. Je fais ça deux fois. Une fois que j'ai fait ça, fin de la première partie, on fait ça deux fois, etc. Ensuite, on va venir ici, on va venir s'allonger sur les avant-bras. Alors pareil, vous n'êtes pas en train de contempler ou regarder la télé. Hein. Ici, on se maintient au niveau de la gaine abdominale. Les jambes sont très longues, c'est ça qui est important. Et on va venir faire retirer avec les deux jambes. Je passe ici, flex, j'allonge mes jambes, je reviens par en bas et je fais ça 4 fois. D'accord? Donc, retirer ici, flex, j'allonge mes jambes, je reviens par en bas, ici, fermé. Une fois qu'on en a fait ça, c'est pas fini, non, ce serait trop facile. On fait un battement, on vient flex, on allonge, et là j'allonge, mais j'allonge ma jambe par résistance. C'est très important, c'est pas seulement pour les abdominaux, ça paraît tout simple comme exercice. Ici quand on vient flex, quand on allonge, mais quand on allonge, il y a toute la jambe, vous voyez, toute la musculature qui était comme un grand jet d'énergie qui va jusqu'au bout du pied. Souvent on pense par compartiment, et on a tendance à contracter alors qu'il faut penser vraiment à allonger vos jambes pour gagner justement dans cette force de coup de pied et dans cette ligne, cette fameuse ligne qu'on va essayer de trouver en esthétique. Et en dehors. Allez, j'allonge bien les jambes. En dehors, je descends. Et flex. J'allonge, retire. Attitude. Et on recommence tout. Et. Je descends. Et je descends. On se prépare bien. Et. On allonge. Alors on repousse bien par les jambes, par le bas. On garde bien les pieds bien mobiles. Allez, j'allonge bien les jambes. Je ne contracte pas mes muscles inutilement. Alors pour ce prochain et dernier exercice autour du travail du coup de pied et des hanches et des abdominaux, je vous propose ici, donc on se met bien le pied en dehors, vous voyez, au niveau de la jambe. Vous pouvez poser ici le poignet, alors essayez de ne pas mettre tout le poids du corps comme ça dessus, sinon vous allez vous faire mal, mais vraiment on repousse par le pied, par le genou ici et par le bras. Et on vient faire demi-pointe et pointe, demi-pointe, je descends, demi-pointe. Pointe, demi-pointe, on fait ça 4 fois. Au bout de 4 fois, on lève la jambe, pointe et ferme. On le refait une deuxième fois, d'accord? Toujours pareil dans ce travail de repousser ici par les orteils, les coups de pied sans s'écraser dessus, d'accord? Mais juste sur le bout. Voilà, vous êtes obligé de travailler votre endroit également ici. Ensuite, on passera, on allonge la jambe, on va passer parallèle sur la jambe, demi-pointe. On vient faire un peu de gainage, hein, voilà, ça fait pas de mal. Vous pouvez plier un peu les jambes, tendues. On revient ici. Et on va juste venir poser le pied pour pouvoir changer de côté et refaire la même chose à gauche. Une fois qu'on a fait la même chose, donc ici à gauche en positionnement, la même chose, demi-pointe, pointe, je tends la jambe, je ferme. Même chose ici, gainage. On se met bien en position ici. Et on finira l'exercice comme ça, très simplement. On aura travaillé les parties du corps qui nous intéressent. On est venu renforcer nos abdos, les pieds et on a commencé aussi à travailler un peu l'ouverture des hanches avec les différents exercices. Et cette fois, on y va en musique. Et demi-pointe, pointe. Troisième fois. Je développe. On refait. Et... Repoussez bien ce pied. Allez, je développe. J'allonge. Je passe. Petit gainage. Allez, je plie. Je me prépare. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne fais pas des vidéos trop longues pour vous permettre d'avoir un petit créneau dans votre journée, en début de matinée ou en fin de soirée, enfin, ou tout simplement quand vous avez une petite pause ou un petit break. C'est juste voilà, vraiment pour venir travailler les parties du corps qui nous intéressent. J'espère que vous avez senti un peu la différence. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sensations que vous avez quand vous faites les barres au sol, les barres. Moi, ça m'intéresse aussi pour moi progresser, parce que la vie, c'est une évolution permanente. Donc dans le corps aussi, votre corps peut changer, on change sa manière aussi de danser, etc. Donc c'est important de vraiment ressentir les choses. Voilà, c'est ce que je dis à chaque fois, d'être au maximum de son ressenti dans son corps et dans ce qui arrive avec la technique qu'on vous donne. En tout cas, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas donc à vous abonner, à lâcher des petits pouces pour faire plein de pirouettes. Et je vous souhaite une excellente journée.